Pourquoi t'as coupé le son ? Je crois que tu le sais. Non, je vois pas. Peut-être parce qu'on est... Parce qu'on est paumé. Poli ? Paumé, Max. On est paumé. Mais non, on est quelque part dans le coin. C'est ça, donc. Paumé. C'est ton point de vue. Prenez le temps d'écouter ce qui suit, car ces conseils vous seront utiles pour naviguer dans les méandres de votre séjour à Hackett Square. Ce que vous voyez est une épreuve de réflexe, un QTE, qui vous demandera d'agir juste au bon moment. Attention, Hackett Square peut être un lieu dangereux si vous ne prenez pas garde à votre environnement. Quittez la balle des yeux et vous courez à la catastrophe. C'est vous qui déciderez de la voie à suivre. Mais ça ne veut pas dire que vous ne rencontrerez pas d'obstacles. Attention! Bravo, chérie, joli réflexe! Merci. Bah, l'état des routes s'arrange pas ici. Ça doit faire partie de l'expérience rustique de la colo. Oh, c'est vrai, c'est là qu'on va. J'ai arrêté de suivre depuis 300 km. 300 km, hein? Ouais. Tu sais, Max, c'est pas grave, ça n'affecte en rien ta virilité. Si Christophe Colomb s'était pas perdu et n'avait pas fini sur ses rivages, les États-Unis n'existeraient pas. Bye bye les hot dogs, sayonara les burgers. Christophe Colomb a jamais accosté en Amérique du Nord. De quoi tu parles? Il savait même pas qu'il était pas en Asie. T'es sérieuse ? C'était un de ces mecs qui refusent d'admettre qu'ils sont perdus. Eh ben ce mec-là a quand même eu un pays nommé en son honneur. Alors tu peux ravaler tes critiques. J'hallucine. Contente-toi de nous amener au camp avant que je sois à bout de souffle, à force de soupirer. Ok, je vais essayer. Je vais essayer. Quoi ça? Ouais, rigole. Je suis sérieux, pourquoi tu prends pas la carte normale? C'est ça, la carte normale. Celle du téléphone. On capte pas. Évidemment. Bon, voyons voir alors. On est... Je crois qu'ils marquent pas les colos sur les cartes. Et t'as pas vu de panneau? Hé, regarde la route! Wow! Tu vas bien ? Oui, oui. Enfin, en un seul morceau. Putain de merde, tu crois que c'était quoi ? Un ours ? Quoi ? Non, Max, c'était pas un ours. C'était quoi ? Je crois que c'était quelqu'un. Laura, t'es sérieuse ? On a renversé quelqu'un ? Je sais pas. On est passé près, vraiment près. Mais peut-être qu'on n'a pas... Qu'est-ce qu'il y a ? La voiture est foutue.
C'est peut-être pas si grave que ça. Je devrais regarder les dégâts avant qu'on essaie de redémarrer. Tu peux me passer ma boîte à outils d'encore? Ouais, ouais, bouge pas. Si grave. Ma mère va me tuer. Tu m'as rien dit. Ah, merci. De rien. Je peux t'aider? Ouais, tu pourrais m'éclairer un peu par ici. Et voilà. Parfait, merci. J'ai vraiment hâte qu'on se tire d'ici. T'as qu'à t'imaginer tout près d'un grand feu de camp, en train de chanter des petites chansons de colo. Je crois pas qu'on devrait s'asseoir tout près d'un grand feu de camp. Pourquoi ? Parce qu'on pourrait prendre feu. Alors, imagine-toi si c'était un grand radiateur. Bah, ce sera toujours mieux qu'ici. Tu vas où? Pas trop loin. Laura, reste dans le coin, ok? J'ai presque fini. Quoi? Tu te prends pour ma mère? Je veux pas que tu t'éloignes comme ça toute seule. Excuse-moi? Je voulais pas dire ça. Ouais, j'espère bien, ouais. Chérie, je suis désolé, je dois me concentrer là-dessus, ok? Ok, c'est bon. Mais je crois que j'ai vu une personne là-bas. De quoi ? Elle est peut-être blessée. Je vais jeter un œil.
Je l'ai entendu. Allez, on se tire d'ici. Démarre! Oh, sérieux, je croyais que t'avais vérifié. J'ai vérifié, ça avait l'air bon. Chérie, je sais que t'es à cran, mais essaie de te calmer, je ok? Je suis pas à cran, Max, je suis terrifiée, putain! C'était sûrement un animal et rien non, d'autre. Non, c'était pas un animal, tu l'as pas vu, c'était une Laura, femme! Laura, tu m'aides pas, ok? Génial, c'est bon, tout va bien, tu vois? On pourrait s'en aller maintenant. Ok. J'essaie. Tout va bien. On est en sécurité dans la voiture, ça va aller. Putain de merde ! Oh ! Putain ! Oh ! J'ai cru que mon cœur allait exploser. Baissez la vitre. Monsieur l'agent, comment allez-vous aujourd'hui ? L'un de vous est blessé ? On va bien, vraiment. On est juste un peu secoué. Vous pourriez m'expliquer ce qui s'est passé ? Quelque chose s'est jeté devant la voiture et on a voulu l'éviter, alors on a braqué et... On s'est retrouvés là. Quelque chose, vous dites ? Un animal. Vous savez, c'est juste...
Je sais pas quel animal, ça s'est passé vite et... Ouais. C'était sûrement un chevreuil. Monsieur ? Laissez tourner le moteur. Monsieur ? Ce type est le flic le plus flippant que j'ai jamais vu. J'en sais rien, c'est la première fois. Que t'es arrêté ? Bah ouais, je suis pas une criminelle. Bref, j'aimerais bien savoir ce que vous fichez sur cette route, au beau milieu de la nuit, dans ce coin perdu. On est en route pour le camp de Hackett Squarry. On est des nouveaux moniteurs. Vous avez un jour d'avance. Non, enfin, on le sait. Mais on a décidé de venir en avance et faire le tour, voyez. Et puis ils sont au courant, on a appelé. Et pour être honnête, l'un de nous a surestimé son sens de l'orientation et maintenant on est perdu. Vous n'atteindrez pas Hackett Squarry. Pas ce soir. Le motel Harbinger. C'est plus près et vous pourrez y passer la nuit, d'accord ? Je crois qu'on va s'en tenir à ce qu'on a prévu, monsieur l'agent. Monsieur Hackett sait qu'on arrive et on a téléphoné. Non, madame, vous allez vous rendre au motel Harbinger. Est-ce que c'est clair pour vous ? Sauf votre respect, monsieur, pourquoi on peut pas aller à Hackett Squarry ? Parce que je vous ai dit d'aller au motel. Monsieur, je comprends pas. Où est le problème ? Madame, veuillez sortir du véhicule. Wow. Quoi ? Pourquoi ? Monsieur, elle a rien fait de mal. Madame, je vous demande de bien vouloir sortir du véhicule. J'aimerais vous montrer l'itinéraire sur votre carte. Ok. Bien sûr. Vous, restez dans le véhicule. C'est bon, je m'en occupe. D'accord. Ok. Alors, on est... à peu près là. Le motel Harbinger est ici. Ouais, compris. Et où est Hackett Squarry déjà ? Eh bien, je suis sûr que les propriétaires du motel Harbinger pourront vous l'indiquer. Dès demain matin. Le motel Harbinger. Restez sur la route. Attention au nid de poule. Vous voulez une déposition ? Une bonne soirée. Pourquoi il reste planté là, ce taré ? Ce type était vraiment, mais alors carrément flippant. Il aurait bien besoin d'une bonne dizaine de douches. Putain, mais grave ! Et les traces qu'il avait là, tu crois que... c'était du sang ? C'était... un plaisir. Ah merde. Très bien,
On va pouvoir reprendre la route. Ouais. Je crois que j'ai eu assez d'aventures dans les bois pour ce soir, merci bien. C'est clair. Alors, où est le motel? Ok, bon, on est ici, et le motel est là. Ok. Mais nous, on va là. C'est quoi? Hackett's Quarry. Comment t'as fait? Je sais pas, je me suis arrangée pour qu'il me T'as assuré. T'es sûre qu'on ferait pas mieux d'écouter son conseil et d'aller au motel? Chérie, tu veux vraiment suivre le conseil d'un type flippant qui nous a dit en plein milieu de ces bois flippants d'aller à un motel flippant? Non, il vaut mieux pas. Ouais. On va reprendre la route, ok? Ravie de l'entendre. Madame? Non, mais je te jure! S'il m'avait appelé encore une fois madame, je crois que je lui aurais fait bouffer son badge. Sérieux, j'ai l'air d'être une madame? Je serais pas une madame avant au moins 20 ans. Quoi? Bah, 20 ans, c'est... un peu beaucoup. Arrête. Tu sais, j'aime bien les madames. Ok, ça suffit. Non mais c'est une blague, y'a personne. On s'est tapé toute la route et y'a personne. Max, on pourrait faire le tour avant de tirer des conclusions. Est-ce que t'as parlé à Monsieur Hackett ou t'as juste laissé un message? Qu'est-ce que ça change? Ça, c'est ça que ça change. Eh oh! Je crois qu'il écoute pas ses messages. Et comment j'aurais pu le savoir? Enfin, y'a clairement quelqu'un ici. Ouais, ou alors c'est juste une épave et on perd... Pourquoi y aurait une épave? Je vais dans la voiture. Max, allez. Max, sois pas con. Y'a quelqu'un ici?
Sympa. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Je vais chercher de l'aide. Max! Max, viens par là! Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un dans la cave. Je crois qu'il est enfermé. Enfermé? Tu crois que c'est Monsieur Hackett? Je sais pas. Je apporte des outils. On doit casser le cadenas. Hé, je suis là. On va vous sortir d'ici. Hé. Attends, c'est quoi ça? Je sais pas, t'as dit des outils. Pourquoi t'as pas amené là? Y'a quelqu'un en bas. Je vois personne là-dedans. Quoi? Si, là! Je regarde, je vois rien. Laisse-moi voir. Y'avait quelqu'un tout à l'heure. Ok. Ok, bon. T'es sûr? Je prends le marteau. Waouh, c'était super bruyant. T'as besoin d'aide? Ouais. T'as jamais vu Evil Dead, hein? Eh oh! Vous êtes blessé? Vous existez? Eh, fais attention. Max?
Chérie, c'était peut-être juste un rongeur. Non, il y avait quelqu'un ici, je t'assure. Eh ? La nuit a été longue, ok ? Allons au motel, on reviendra demain matin à la première heure et on pourra tout fouiller tranquille, mais... Mais tu dois être épuisé, moi je le suis. Notre imagination... Max ! Max ! Max ! C'est du sang. Aide-moi. J'ai beaucoup de sang, en vrai. Est-ce que vous trouvez que ça ressemble à ce putain de motel Harbinger ? In other